Cette vidéo est l'histoire d'un océan, d'une mer qui s'évade par les airs, laissant derrière elle un désert de sel brûlant qui va rester en place près de 700 000 ans, et indirectement permettre l'apparition de lapins géants, comme augmenter la fréquence des éruptions de bon nombre de volcans. Et les preuves que je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi en pleine montée d'acide sont inscrites dans des roches, aujourd'hui enfouies sous les vagues. Au début des années 1970, les campagnes de forage profond et d'études sismiques menées en Méditerranée révèlent l'étendue d'une étrangeté, à savoir que la quasi-totalité des fonds de cette dernière ne sont pas uniquement constitués des sédiments que l'on trouve habituellement au fond des océans, tels que de la boue et du sable, mais aussi et surtout de beaucoup, beaucoup trop de sel. Du sel accumulé en dépôts, parfois épais de plusieurs milliers de mètres. Or, pour que de tels amoncellements se forment, il faut nécessairement que l'eau dans laquelle ils baignent ait atteint, à un moment de son histoire, des taux de salinité crevant le plafond, voire se soit totalement retiré. Depuis ces découvertes, 50 années se sont écoulées, et des milliers d'études plus tard, l'on sait maintenant à peu de choses près, en détail, l'ampleur du cataclysme qui s'est dans cette mer déroulé. Voilà donc l'histoire de l'apparition et de la destruction, de ce qui fut peut-être l'un des paysages les plus surréalistes que la Terre n'ait jamais porté. Un désert de sel de la taille d'un petit continent, situé près de 2000 mètres sous le niveau moyen des océans, et qui, s'il peut donner l'impression de sortir tout droit d'une autre planète, a pourtant bien existé sur ce monde. Il y est même resté près de 700 000 ans, et je pense qu'il est grand temps de faire un bond dans le temps. L'histoire commence il y a de cela quelques 7 millions d'années. La mer Méditerranée possède à peu de choses près les mêmes dimensions qu'on lui connaît actuellement. À la différence qu'elle est alors reliée à l'océan Atlantique, par deux étroits passages au niveau de ce qui deviendra plus tard le détroit de Gibraltar. Alors que la plaque africaine pousse vers le nord, sous la surface à quelques 100 km de profondeur, un morceau de lithosphère s'enfonçant dans le manteau terrestre se brise, provoquant par réaction, en quelques milliers d'années, le soulèvement de la plaque ibérique. Et voilà que le corridor sud se rétrécit, puis se bouche. 500 000 ans plus tard, par le jeu des forces tectoniques, la plaque africaine, qui continue de pousser, en vient à faire remonter et affleurer en surface une partie des fonds marins du corridor nord, jusqu'à achever d'isoler presque complètement la Méditerranée de l'océan Atlantique. Désormais coupée de l'alimentation en eau provenant de l'immense océan, la mer va fuir par les airs, progressivement s'évaporer. Car la Méditerranée de l'époque, comme celle d'aujourd'hui, est en grande partie alimentée en eau par les pluies qui y tombent, les fleuves et les rivières qui s'y jettent, mais aussi et surtout par les eaux provenant de l'Atlantique. Or, une fois ce robinet fermé, rivières, fleuves et précipitations qui s'y déversent sont incapables de compenser, à eux seuls, les processus d'évaporation qui, chaque année, arrachent à la Méditerranée quelques 3000 km3 d'eau. On pense ainsi qu'en quelques milliers d'années, le niveau de la Méditerranée va baisser par endroits de près de 1000 mètres. Patientez quelques milliers d'années supplémentaires, et vous auriez pu vous promener littéralement sur le plancher océanique, 2500 mètres en dessous du niveau moyen des océans. En lieu et place de la mer exsangue désormais pratiquement disparue, se trouve une immense cuvette. Et à perte de vue, presque partout à l'horizon, on trouve du sel restitué par l'eau qui s'est dissipée. Ça et là, dans ce désert recouvert de croûtes de sel brûlant de la taille d'un continent, affleurent d'immenses massifs d'évaporites. Et l'on trouve très rarement sur ces fonds marins mis à nu des cours d'eau. Car les ancêtres du Rhône et du Nil, comme tous les fleuves du pourtour de la Méditerranée, continuent, eux, de couler. La mer où ils se déversaient ayant disparu, ils creusent désormais à leurs embouchures des canyons de plusieurs centaines de mètres de profondeur, dans lesquels ils coulent et sillonnent, désormais sous le niveau moyen des océans du globe. De leurs puissantes crues occasionnelles, ils ravinent, et en arrachant les roches à la croûte par la force de leur débit, ils se fraient péniblement un chemin jusqu'au cœur de la fournaise asséchée, pour y alimenter d'immenses mares d'eau stagnante éphémère, ou de gigantesques lacs salés, qui gisent aux endroits les plus profonds de feu la mer morte. On retrouve encore aujourd'hui les traces des forces brutes de ces fleuves, qui, bien qu'ayant été masquées depuis par leurs propres sédiments, sont toujours inscrites, marquées dans les relevés sismiques des couches géologiques. On a ainsi retrouvé, 2000 mètres sous la ville du Caire, là où se situait à l'époque le delta du Nil, les empreintes laissées par de profondes saignées, qui s'étendaient alors sur 700 km à l'intérieur de la mer disparue. L'ancêtre du Rhône, lui, creusa à cette époque de ses eaux un canyon long de près de 400 km et s'enfonçant à 1100 mètres sous le niveau moyen des océans.
on a même découvert, dans des bassins profonds de l'est de la Méditerranée, un ancien réseau fluvial dessiné par l'écoulement d'un fleuve qui n'existe plus, et prenait sa source dans le sud de la Turquie actuelle, avant de sillonner à travers les épais dépôts de sel sur plus de 500 km, pour finir par s'étaler, sous la forme d'un delta, précisément là où se trouve aujourd'hui un mont sous-marin, gisant par 2700 mètres de fond. La présence de ces anciens lits de fleuves et de rivières, actuellement enfouis sous plusieurs milliers de mètres d'eau de mer, témoigne à leur manière d'un assèchement d'une ampleur monstrueuse. Avec l'évaporation progressive de la mer, l'eau s'est retrouvée sursaturée en sel dissous, et ces derniers se sont mis à précipiter. Retenez le petit nom de cette grande catastrophe, la crise de salinité messinienne, durant laquelle, pendant précisément 630 000 ans, le sel va s'accumuler, se déposer en couches pouvant atteindre localement les 2000 mètres d'épaisseur. On estime que c'est ainsi près d'un million de kilomètres cubes d'évaporite qui vont se déposer, sur une superficie équivalente à 4 fois celle de la France. Cette quantité de sel actuellement piégée dans les dépôts qui gisent dans les plaines abyssales représente 6% du stock total de celui dissous dans l'océan mondial, prodigieusement énorme. Pour la plupart des êtres vivants dans l'eau, et donc contraints de survivre dans une mer se réduisant comme peau de chagrin, quand ce n'est pas dans des lacs, des flaques hyper salées et isolées, la fin est proche. Mais pour certaines espèces évoluant sur les continents, ces grands chamboulements vont permettre de marcher sur le fond des mers asséchées, et ainsi d'accéder à de nouveaux territoires. Il y a de cela une décennie, l'on a découvert des fossiles de lapins d'un demi-mètre de haut et pouvant peser quelques 23 kilos. Ces lapins géants, à qui l'on a donné le petit nom de Nuralagus rex, ne pouvaient très certainement ni sauter ni nager. Et pourtant, ils ont été retrouvés sur l'île de Minorque, au milieu de la Méditerranée. En fait, l'évaporation, en mettant à nu le fond de la mer, a formé de vastes ponts de terre reliant l'Afrique, comme l'Europe, à de nombreuses îles de la Méditerranée. Ainsi, il y a de cela 5,5 millions d'années, vous pouviez vous rendre de la Corse, en Sicile, en passant par la Sardaigne, à pied. Et les ancêtres de Nuralagus rex, comme ceux de beaucoup d'autres espèces, en ont profité pour conquérir de nouveaux milieux, de nouveaux environnements. Puis, avec la remontée des eaux, une fois les ponts terrestres disparus, l'isolement a conduit leurs ancêtres, de petits lapins, à devenir géants. Car les animaux de petite taille, se retrouvant à vivre dans des milieux insulaires, riches en ressources et dépourvus de prédateurs, ont souvent tendance à prendre de l'ampleur, à tirer vers le gigantisme. Et vous me direz, cela ne nous dit absolument pas bordel de lapin géant. Quel est le foutu lien entre la disparition de cette mer et l'apparition de volcans? Eh bien j'y viens. En fait, aussi étrange que cela puisse paraître, cette mer qui s'est retirée a aussi indirectement contribué à rendre les volcans plus enragés. Car l'absence des quelques 2 km d'épaisseur d'eau qui appuyait sur le fond de la mer eut une étrange conséquence, celle de diminuer la pression exercée sur la croûte terrestre et sur le manteau. Une région animée de courants de convection qui évacue le trop-plein de chaleur de notre planète. Et ce manteau dépressurisé a alors par endroits partiellement fondu, formant en profondeur des bulles de magma qui en remontant sont venues alimenter en lave de nombreux volcans, perçant la croûte sur les pourtours de la mer asséchée. Et l'on observe bien dans les couches géologiques de cette époque un regain d'activité volcanique qui va durer près de 700 000 ans, jusqu'à ce qu'une mer entière ne renaisse de ses cendres, il y a de cela quelques 5,3 millions d'années, quand, à la faveur du mouvement des plaques tectoniques, de violents séismes viennent brusquement fissurer et réouvrir le détroit de Gibraltar. S'il fallait donner un nom à cet événement, très certainement unique dans toute l'histoire de la Terre, ce serait le déluge. Selon nos dernières modélisations, c'est un débit d'eau monstrueux qui est venu clore brutalement l'histoire de ce désert sous les mers, en remplissant une Méditerranée renaissante en moins de 2 ans. On pense que le fleuve d'eau de mer provenant de l'Atlantique, qui s'est alors abattu dans l'immense cuvette pratiquement vide, charriait quelques 100 millions de mètres cubes d'eau par seconde, au point de faire grimper le niveau dans le bassin méditerranéen de près de 10 mètres par jour. 5300 millénaires après ce déluge, le passage de ce fleuve gigantesque, doté d'un débit équivalent à 1000 fois celui de l'Amazone, est encore aujourd'hui visible dans certaines régions du détroit, sous forme de saignées de 200 mètres de profondeur. Ailleurs, les traces laissées par la remise en eau diluvienne sont inscrites dans la topographie des grands fonds. Ainsi, les données recueillies par les campagnes d'analyse sismique et l'étude des dépôts d'alluvions ont par exemple montré la présence d'un immense chenal d'érosion, profond de plusieurs centaines de mètres et s'étirant sur 390 km de long,
depuis le golfe de Cadix, dans l'océan Atlantique, jusqu'au bassin algérien. Et pour réaliser une telle saignée, creuser un tel sillon, on pense que les cours d'eau rugissants ont dû arracher sur leur passage quelques 1000 km cubes de sédiments. Plus à l'est, à près de 1000 km de là, on a retrouvé dans les grands fonds, à proximité de l'île de Malte, un autre canyon, large lui de 5 km, et plongeant sur près de 1500 mètres vers le profond bassin oriental. On pense que c'est par ici qu'après avoir dans un premier temps rempli la partie occidentale de la Méditerranée, l'eau s'est déversée dans l'autre versant, à quelques centaines de kilomètres de ces falaises sous-marines. Dans la mer Ionienne, 1600 km cubes de sédiments présentant toutes les caractéristiques d'un dépôt provenant d'une brusque phase d'inondation ont été mis à jour. Et vu que selon le principe bien connu des vases communicants, qui nous dit que lorsque l'on remplit une baignoire, il faut bien prendre l'eau quelque part, une fois le déluge terminé, le niveau global de tous les océans de la planète avait baissé de près de 6 mètres. Bientôt, avec le retour du poids de l'eau sur la croûte terrestre, les volcans ceinturant la mer ressuscitée vont retrouver une activité normale, et les lapins de Minorque devenir géants. Rouge, gris, orange, verte, bleu ou blanc, la surface de notre monde en a vu de toutes les couleurs, et les traces de cette histoire agitée sont encore bien présentes. Elles peuvent aujourd'hui être ramenées à la vie, en étudiant la composition des fossiles et des roches sur lesquelles tous les jours nous marchons. Ces endroits ont été, ici, là, sous nos pieds, des ailleurs hallucinants, simplement situés autre part dans le temps. Et même si aucun de ces paysages aujourd'hui partis en poussière n'a jamais été vu par un être humain, nous leur avons donné des noms, les avons ancrés dans notre imagination. Et le passé est devenu dans nos têtes un grand nombre d'autres planètes. Je me faisais la réflexion en fait, pour faire disparaître la Méditerranée, il suffit simplement de la fermer.